On va s'intéresser à présent maintenant aux libraires. Eux, qu'en pensent-ils de l'arrivée des livres numériques? Alors, les libraires, c'est encore autre chose. Les libraires ont assez peur de l'arrivée du numérique, dans le sens où ils pensent que ça va tuer leur activité. Alors, ma réponse, elle sera double. C'est un peu vrai, mais pas totalement. Pourquoi? Si on va 12 ans en arrière, moi je faisais partie de l'équipe de lancement d'Amazon France, et quand on a lancé Amazon France, à l'époque, il y a eu des papiers dans la presse monstrueux, des levées de boucliers énormes en disant « Ouh là là, le méchant américain Amazon arrive, ça va tuer le libraire. Les libraires vont tous mettre la clé sur la porte, dans 2 ans, il n'y a plus de libraire avec des gens comme Amazon. » 12 ans plus tard, effectivement, il y a eu quelques dommages collatéraux, malheureusement. Mais il reste encore des librairies et, qui résistent. Alors c'est difficile, hein, certes, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en place pour les accompagner, c'est-à-dire moi je peux les accompagner, mais il y a aussi des organismes comme Dilicom qui sont en train de mettre en place toute une palette d'outils pour les aider à proposer des livres numériques. Il y a également des organismes comme le CNL, etc., qui essayent, il y a du bruit, qui essayent de surfer sur la vague et d'apporter des conseils. Donc je pense que le libraire qui va savoir prendre le tournant, je ne parle pas du gros libraire, hein, je parle du petit libraire, qui va savoir, ou du moyen libraire, sans que ce soit péjoratif, je pense que celui-là, celui qui va accepter de se poser un tout petit peu, même si son boulot est terrible, qu'il a du colificelle à faire, de la réception, du magasinage, comme on dit au Canada, à faire, je pense que le libraire, s'il se prépare, un temps soit peu à accueillir tant dans sa librairie physique s'il a une boutique avec pignon sur rue que via son site web, parce qu'il y a quand même de plus en plus de petites et de moyennes librairies qui proposent des sites web, je pense qu'il a la possibilité de le faire, à condition qu'il se donne un tout petit peu de moyens pour faire du vrai marketing. Et ce n'est pas un gros mot. Aujourd'hui, l'offre, elle est là. Aujourd'hui, globalement, un libraire qui se plug sur Dincom ou sur Ipagine ou sur Immatériel, il peut proposer des livres numériques. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas. Donc, je pense que le gros du boulot, pour ne pas qu'il tombe et pour qu'il puisse tirer son épingle du jeu, il est là. Ensuite, il y a un deuxième axe qui, je pense, est important, qu'on attend avec impatience, c'est toute l'arrivée des œuvres indisponibles. Qui vont être mises en vente, c'est-à-dire des œuvres qui sont en train de mourir, qui sont encore sous droit et que les libraires vont avoir le droit de vendre, à ma connaissance. Et là, ça va augmenter le catalogue de façon importante et une fois encore, le libraire pourra, de façon relativement simple, parce qu'aujourd'hui, on commence à avoir les bons outils pour le faire, pourra pousser ces titres-là et prendre une place du marché. Il ne prendra pas évidemment toute la place sur le marché, parce que malheureusement ou heureusement pour certains, mais il y a des gros acteurs qui sont incontournables. Mais je pense que les librairies de niche, avec des thématiques très particulières, etc., pourront tirer leur épingle du jeu dans le sens où elles auront des rendez-vous numériques à donner à leurs lecteurs.